là sur le plat à 33-35, là franchement c'est du bonheur parce que il n'y a pas de grosses côtes, on est un peu à l'ombre, il y a la fraîcheur, la batterie s'est remplie ce matin. Il y a plus d'agréments en vélo solaire parce qu'on peut plus profiter. On est un peu moins enfermé dans un effort brutal, plus disponible pour ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça, c'est le vélo vacances, le vélo découverte, le vélo voyage. Et du coup, ça apporte du confort et de l'ouverture. Même de l'ouverture aux autres, c'est qu'on a un véhicule original, du coup, les gens viennent à nous et du coup, ça aide à la communication. Là, je plafonne à entre 300 et 350 watts. Et en Bretagne, avec le vent frais, j'atteignais 450 watts. Grosse perte, hein ? Ouais. Donc, 20%, ouais. Mais ça, c'est dû à la surchauffe. Ouais. Tu trouves ce que tu es venu chercher dans ce Sun Trip, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais. Même, c'est une sorte de grand Sun Trip Tour et le fait que ça soit à une échelle plus grande, je trouve que c'est vraiment sympa. Se dire qu'on est parti de Lyon, on a taillé vers la Bretagne, les Pyrénées, les Alpes. Non, c'est vraiment, on en a eu plein les yeux. Moi, c'est une formule 3000 bornes, c'est bien. Quand on passera aux 12 000, ce sera différent. Et même en 2013, en voyant le premier Sun Trip, ça m'a fait rêver, mais j'ai jamais pensé à ce moment-là qu'un jour je participerais à un Sun Trip. Jamais. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Et le déclic, il a été où ? Eh bien, au moment où il y a eu le Sun Trip Tour, en fait, ça devenait accessible au niveau du calendrier. Accessible parce que ça démarrait en juillet et pas en juin. Pour un enseignant, c'est... voilà. Je racontais à une copine comment j'avais réussi à concilier à la fois la santé, reprendre un poids de forme convenable, le loisir, l'activité physique et la découverte. Tout ça se conjugue. On peut le conjuguer au quotidien, aller à vélo au boulot, le dimanche en famille, et puis pendant les vacances, pour le voyage. Et donc franchement, le vélo, il est au cœur, il peut se décliner dans des tas de formes différentes, il y a plein de déclinaisons.